fixe sur son écran. Berzins avec Kin. Allez, il faut faire quelque chose. Le long tir à 3 points de Marcus Kin. Ça passe, il était tout seul. Personne n'est allé le gêner. Prise à 2. Oh, la bonne passe, ça a libéré forcément le flotteur de Cavalière. Les premiers points du match, on a attrapé, on s'est fait punir côté Manceau. Et Marcus Kin qui monte en température avec ce nouveau tir. De ses surprises, Luca Banchi. Oh, le gros tir de Marcus Kin, 3 points après l'écran. Pétard ambulant, Marcus Kin qui fait mouche dès sa première tentative, 5-0. On se rappelle de lui du côté de la SIG, où il avait fait les beaux jours. Oh là là. Bah, alors, regardez, qu'est-ce que ça va vite là sur les aéroglisseurs. Incontrable, c'est le plus petit mais c'est lui aussi le plus rapide. Et les 2m21, Youssoupha Fall ne peut rien faire face à tant de vivacité et de dextérité. Il en est à 4 points. L'ailier français de l'ADA. Marcus Kin. Il a changé en défense. Oh, Kin, oh, il, Kin, il l'a fait danser. Et il bingo. Marque dedans. Il est fort, Marcus Kin. Taron Johnson. Face à Paul Lacombe. Oh, il le fait sauter. Oh. Une passe compliquée. Marcus Kin qui récupère la balle. C'est pas les All-Star Games. C'est la semaine prochaine, les All-Star Games, Tyron. Parce que là, c'est juste sérieux en face. Rux, envoyé au alley-oop. On va travailler. Prise à 2. Golaté à 3 points. C'est très court. Bonne défense. Et voilà cette passe qui arrive au millimètre. Oh, et le dunk. Touchdown. Derrière, dunk magnifique. First up, when we have fouls, we have to use it in a smart way. Not to give free throws or open shot like this. Okay, that guy deserves a stick hand.